Cette vidéo s'adresse à toi, toi qui me regardes derrière ta caméra et qui n'ose pas te lancer sur des réseaux. J'aimerais tout simplement te dire, lance-toi, prends ta caméra. Si tu n'as pas de caméra, prends ton appareil photo et lance-toi. Ça paraît facile comme je le dis, mais je sais très bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se lancer, ce n'est pas facile de parler de soi, ce n'est pas facile de documenter sa vie, ce n'est pas facile non plus d'attendre sa voix comme je le fais là. Et même moi, quand je commençais, quand je débutais, au début, c'était pas facile parce que j'aime pas ma voix. Si tu te lances dans la vidéo, au début, tu vas justement te trouver ridicule parce que tu te diras, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais est... pas bidon, est-ce que mon entourage, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce qu'ils vont pas se moquer, est-ce que les sujets dont j'aborde sont légitimes, est-ce que je suis légitime pour aborder ces sujets, est-ce que je suis à ma place. En fait, tu as toutes ces questions, tu as tous ces trucs où tu te poses. Sauf que, au bout d'un moment, si tu ne commences pas, même si tu le veux bien, mais si tu ne commences pas quelque part, en fait, tu n'arriveras pas. Donc, je te dis, ce n'est pas facile, mais fais-le quand même. Là, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais te lancer, pourquoi tu devrais prendre ta caméra. Et si tu n'as pas de caméra, tu as un smartphone, tu as peut-être un iPhone ou même un Samsung, peu importe le téléphone. Tu peux déjà commencer par ça, que tu sois inspiré ou non. Tu as des logiciels de montage, tu peux installer sur téléphone, tu peux faire des petits trucs, des petites vidéos où tu vas apprendre. Ce qui est bien dans la vidéo, quand tu commences à faire la vidéo et que tu délègues pas, tu apprendras d'autres compétences, par exemple le montage. Au début, tu tournes ta vidéo, tu montes ta vidéo, tu te mets pas la pression, tu fais des montages basiques, des petits trucs où tu peux apprendre et tout, tu te prends pas la tête. Et au fur et à mesure, quand tu vas avancer, quand tu vas progresser, tu verras de toi-même que tu n'auras pas le temps et tu seras obligé de déléguer certaines tâches à d'autres monteurs. Comme maintenant, il y a des monteurs professionnels et tout, donc tu pourras déléguer ce travail. Le second point, ça serait l'inspiration. Que tu sois inspiré ou non, ça on s'en fout, c'est pas vraiment important. L'inspiration, ça peut venir de toute façon. On a toujours quelque chose qu'on aime dans la vie, on a toujours quelque chose qui nous passionne, que ça soit la danse, que ça soit le sport, que ça soit à la nourriture, peu importe le domaine. En fait, tu as forcément quelque chose dans ta vie qui te passionne, tu as forcément un truc qui te fait vibrer. En fait, tu pourrais justement parler de ce truc là, ou même tu as vécu une expérience, tu as vécu des choses dans ta vie dont tu pourrais parler. Ça pourrait être l'histoire, tes études, comment tu fonctionnes, comment tu vois les choses, donner ton avis et tout. Ça pourrait être aussi une inspiration. N'attends pas juste d'avoir des mots justes, on s'en fout. Tout ça, ça peut venir après. T'as pas d'excuses en fait. Lance-toi et commence. C'est tout ce qu'il te faut. Troisième point, ça serait bien le regard des autres. Comme je l'ai dit précédemment, le regard des amis, des proches, la famille même. Au début, certains, ils vont pas t'encourager. Ça, faut être sûr. Quand tu te lances sur des réseaux, peu importe le réseau, au début, tu as 3 abonnés, 5 vues, un seul like. Ça casse le moral, en fait. Tu verras que petit à petit, à force de te mettre au travail, ça va grimper, en fait. Tu tiens pas compte de cela, mais tu fais des choses, en fait. N'attends pas que les gens soient reconnaissants ce que tu fais. Donne le maximum que tu peux, donne le maximum que tu as, et ensuite, tu verras les vues, les likes, les commentaires, tout ça, ça viendra. Même les abonnés, ça viendra après. Comme je l'ai dit, le regard des autres, c'est un truc qui casse en fait l'ambiance. C'est un truc que souvent on prend pas en compte en tant que créateur de contenu. Mais le regard, les gens, ils ont tendance à peut-être à juger ou même à te ridiculiser ou même à dire voilà, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fais en fait. Parce que c'est une frustration qui dégage. Chacun aimerait peut-être un jour être à ta place, soit devenir créateur de contenu. Mais vu que ils n'ont pas ce courage, ils n'ont pas cette audace de se mettre devant une caméra, parler, faire du fast cam ou même raconter leur vie et tout. Les gens n'ont pas le courage. Donc si toi tu sors du lot et que tu le fais, quelque sorte tu deviens comme quelqu'un de différent. Ton entourage, il va arriver même qu'ils ne vont pas liker, ils ne vont pas partager tes vidéos, ils ne vont rien faire du tout. Ils sont dans l'observation, ils regardent qu'est-ce que tu vas devenir. C'est-à-dire, en vrai, je dis, quand je dis qu'est-ce que tu vas devenir, parce que c'est une aventure que tu commences. Et qui dit aventure, dit beaucoup de péripéties, en fait. Dit beaucoup de choses qui peuvent arriver. L'entourage peut être sceptique, il peut être dans l'observation. Ils seront même capables de partager ou de commenter des créateurs de contenu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu. Bon.
les créateurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, toi, qui es si proche d'eux, ils vont jamais partager tes contenus. Pas parce que ça ne les intéresse pas, mais ils sont dans l'observation, c'est tout. C'est ce que j'aimerais te dire. N'attends pas que tu aies de l'inspiration. N'attends pas que les gens t'encouragent. N'attends pas que tu aies une caméra qui coûte 3000 ou 2000 balles. Tu peux commencer juste avec ton téléphone. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.